Mauvaise nouvelle, jeudi dimanche, la gang qui contrôle les communes Gretier dans le pays d'Haïti pour les commissariats rapiété. Matin dimanche 21 juillet 2024, là, information arrivée chez nous et ça a tapé la cause population obligée courir qui des zones et puis plusieurs milliers de monde aller. Gagnez mes frères et sœurs amis, en pile monde qui a couru en barrage. Il y a le marron parce que route à terre, vraiment des difficultés. N'a pas rappelé que 400 Marozo qui prend contrôle, surtout en plein an ces derniers temps, pas décidé de chômer. Il y a une image, des sons, il y a un pile d'informations que m'bral pote baou, ou m'bral saisi, ou m'bral comprendre ce qui a passé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Bricouri à Nouvelle Gaillé, à Brilamor, monsieur Leslie Voltaire, après la rue, ou m'bral compte toute information. C'est en suivant des messages WhatsApp qui a privé chez nous, qui t'a expliqué que représentant famille Lavalas là, en d'un conseil présidentiel transition, il mourit. Donc, mon frère et soeur ami, à cause du cancer, faut-il t'en pour qu'on saisisse parce que information là et nous portons éclaircissement pour vous. M'a toujours dit nous, pas pour te mourir les noms bagailles, faut-il t'en, y'a mon qui là pour confirmer. L'autre information qui domine l'actualité, mesdames, mademoiselles et messieurs, Bricouri, nouvelle Gaillé également, escombrite pété. En de fédération protestante, secteur religieux qui vraiment pas arrivé à Antonio sous choix M. Peterson Pierre-Louis comme représentant. Malgré la fédération protestante avec diverses milliers d'organisations saluées en présence de M. Sa, et bien Mme Françoise Dovillier, qui est un représentant qu'on aspect, dit qu'il n'y a pas d'accord du tout dans ce qui a eu à la présentation de ça, ou bien personnalité ça. Jeudi, ce dimanche, est-ce qu'elle est en forme? Est-ce qu'elle a pkebe? Ou qu'on est déjà au sous maman Pemba? Ou sous chai pas kotlan? Donc tout le monde connaît, s'oublie nombre éléments FS News Haïti ou bien Bateau Nouvelle là. Nous parti. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24h sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, grand bonheur dans matin, information est arrivée chez nous. Côté gang qui contrôle les communes Gretier, dans le pays d'Haïti, pour les commissariats rapiété. Matin, dimanche 21 juillet 2024 là. C'est d'après à plusieurs moun qui rapportent nous ça, qui fait nous connaître, c'est comme ça la situation est. Et bien, population obligée courir, quitter zone nan, par plusieurs milliers, et obligée à essayer de rager, y a le marron, parce que route à terre, qui normal, y'a coupé. Par y'a police, par y'a l'armée, par y'a contingent pour dire, ni fait rien, pour nous rappeler, commune Gretier, désolé, a pas tagué 14 communes interdites là, li pas même pas mis non mes frères et sœurs amis. Est-ce que kounyan mes frères et sœurs amis, donc yo pral obligé ajouter commune Gretier comme une commune qui pratiquement qui t'a supposé faire partir désolé état d'urgence sanitaire là puisque li pat en de 14 communes ça qui ça qui pral passer. Y est en plein dans commune Gretier côté chef de gagyo. Il n'y a pas décidé de chômer, ce n'est pas de l'obéir que tu monsieur ça ou pas faire, ce n'est pas des problèmes que tu monsieur ça ou pas bail, ce n'est pas de crier. Ma prenne le son pour informer nous, mesdames, mademoiselles et messieurs, les sont évidences totales et capitales pour que nous cherchions et pour comprendre ce qui a passé actuellement là en Haïti. Donc, il faut que l'État lui décide pour une dernière décision, une décision de sagesse. Nous, exactement, mes frères et sœurs amis, toujours dans la commune Gretier, population a crié, y a prélé, y a demandé à l'État pour venir. N'a pas rappelé que toute route est bloquée, toute route est coupée, machine n'a pas passé, machine n'a pas fait rien. Est-ce que monsieur entre dans la logique pour capable créer un focus sur yo, puisque nous connaissons des opérations qui sont dans diverses zones actuellement là, surtout dans le pays, dans la zone quoi des bouquets, la police est déjà entendu pour aller marcher pour yo, même j'ai marché sous fiel monsieur déjà dans agressé, et bien qu'on y a ces grattiers qui prend, qui s'est pas passé, qui s'est décidé fait, comment va galayer. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pas occupé, ou avez tout update à chaque moment, ça fait l'autre information qui domine l'actualité, mes frères et sœurs et amis, je prends le soin jeudi pour que moi apporte éclaircissement sur nouvelle la mort monsieur Leslie Voltaire qui t'a couru. Mon Dieu t'a fait comprendre que Leslie Voltaire t'a pratiquement donc perdu la ville dans une situation extrêmement rare. Côté que Leslie t'a mouru
pendant qu'il était allé sous l'hôpital donc en République dominicaine. Eh bien, monsieur qui est 76 l'année, donc tout le monde dit que monsieur a souffert une maladie cancer du côlon et de la prostate. Ça lui dit, monsieur, un petit problème. Et quand même, eh bien, monsieur qui c'est ex-ministre éducation nationale, tout, yo la gebri courant, jusqu'à présent, m'abdi nous, vraiment pas gain ça du tout, parce que nous essayons de contact avec Leslie, donc il a répondu, donc on sait pas, ici, est-ce qu'il y avait urgence, puisqu'il était justement dit, pour qu'on parle, est-ce qu'il y a un problème, donc, mais pour l'instant, pour le moment que nous parlons avec vous là, c'est ça du tout, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, c'est comme ça, Bagala, il présente actuellement là, en dans un pays d'Haïti. Tenez bien, il y a une fédération protestante d'Haïti qui fait choix de Peterson Pierre-Louis comme représentant secteur A, mais diverses autres organisations ont décidé d'accompagner le secteur ça à cause, donc, il y a des choix pas trop bon. Je vous rappelle, il y a une pile organisation, un pile groupement qui décide pour porter. Donc, monsieur, sous dos, puisque vous faites des choses extrêmement rares, extrêmement importantes. Donc, là, vous faites choix. Je rappelle que tout secteur qui vous est parmi eux, c'est celle ANMH, donc Association Média ici, qui pas pratiquement gagné une grosse divergence dans le temps, mesdames, messieurs. Comment ça y est? Nous on arrivé dans zone là, comment ça y est là? Bon, tant qu'on regarde les et que on travaille pour le peuple, on travaille pour la vie recommencer, on travaille pour la vie retourner dans le pays, on travaille pour que nous nettoyer, pour nous débloquer. On travaille pour nous débloquer. Donc, Josie à nous, dans Rue Magloire, Amboise, il y a plusieurs zones qui nettoient. C'est ça qui va nous parler pour nous aller encore? On est là bien pour nous encore déjà. Ça me dit c'est que c'est travail notre travail. Ça qui est important priorité nous c'est toute zone métropolitaine. Toute zone métropolitaine. Faut que la vie retourne dans toute zone métropolitaine. Thank you.
Chaque jour nous levons nos côtés. Je dis à Okarma que nous avons en cas de continuité que c'est un peu pour permettre que la réalité propre par rapport avec les saisons cycloniques. Pour si que tu as un bagage, tu as un tempéré, tu as un problème dans le pays pour que la population ait un problème de cycler. Maintenant, est-ce que c'est celle CNE qui a fait propre de ça ou bien l'autre instance? CNE était toujours collaboré. CNE était toujours collaboré avec les mairies de la zone métropolitaine pour permettre que la rue décongestionne. C'est pas le pas connu. CNE tout nous faire avec les mairies de Pétionville, mairie de Delma, mairie d'Abar, mairie et tout côté de la pays, mairie Port-au-Prince, bien entendu. Actuellement, c'est une mairie de Pétionville avec Timaléo et Bouette, mais CNE a gros matériel pour permettre que la rue propre, jeune habitué fait. Et pour nous recommander qu'à permettre que la rivière et le canal de déboucher. Il faut aller vers la ria et que si tu as gagné un cyclone sur le pays pour que Porto puisse pas inondé. Il y a plein de monde qui estime par rapport à volume fatra qui gagne dans le pays. Il y a des côtés instances à haute et qui répond sur le cabaret. Non, tout le monde qui te pose des questions à eux, ils ont même tout dans le pays. Ils connaissent aujourd'hui à un vent de changement. Aujourd'hui à une amélioration, les gens qui ont plus ou moins. Ils ne peuvent pas porter dans la boucherie. Normalement, nous avons tout le travail, nous avons tout le service. Mais dans des zones, c'est qu'on y a au cap de cycler là-dedans. C'est une raison qui permet que nous là dans le cap aujourd'hui. Même si nous faisons tout le chemin, nous faisons toute la ville, nous faisons Pétionville, nous faisons les zones de Delmayo. Nous ne savons pas aujourd'hui. Nous là. Mais les gens qui pensent que c'est lui-même tout le monde qui a circulé. Parce que pour circuler, c'est l'État qui va garantir pour circuler. Ok. Eh bien, nous remercions, oui. Merci, monsieur. Est-ce que le matériel ça est autour dans la capitale de la capitale là? Mairie de Port-au-Prince, déjà voyé, dans yo pour être capable de travailler. Tant que matériel, machine, camion, tout le monde. C'est une cohabitation qui fait dans la mairie de Port-au-Prince et CNE. Et c'est un bagage qui fait de fraternité, un bon voisinage, que mairie a accompagné CNE pour avancer dans le travail là, au jour le jour. Ça existe, ça explique que nous n'avons jamais fait travail ça, c'est qu'on y a à faire. Depuis 7 février, même 7 février, c'est la mairie de Port-au-Prince, c'est la police qui était campée dans Port-au-Prince. Vous avez remarqué nos victimes, et tout le monde connaît ça. Ils tirent sur le chauffeur, nous prenons une balle dans la tête, ils tirent sur la machine, nous blessés, qui prennent une balle dans le chauffeur. Et c'est notre attribution, notre responsabilité, dans tout ça qui c'est deux fois non fait Port-au-Prince, c'est une cas victime comme ça. Et nous ne pouvons pas lâcher plus. Ça, c'est réponse à la question qui nous va nous présenter dans l'air. Comment est la capitale, la même garçon, avec FACRA? Bon, je salue la presse, et non pas M. Blagui Michel Billy, moi, c'est assistant chef service et voirie de Port-au-Prince. Bon, moi, c'est une capitale qui vraiment, je dis, population vide les lieux, capitale là vraiment sale.
Mais nous connaissons avec G-Formil de Port-au-Prince, accompagné de CNU dans la ville là, sous supervision magistrat Luxon, j'avais pensé, dans le jour où il y a capitale, l'autre visage. Et comment expliquer ça? Bon, j'aime expliquer ça, j'aime nous remarquer, nous mettons tout le monde dans la rue, matériel dans la rue, je pense qu'il y a l'autre instance encore qui vient pour les jeunes dans Port-au-Prince. Dès que nous ouvrons, nous avons l'autre instance parce que nous avons là pour lui. Travail à tout le monde qui voulait venir dans la commune. Est-ce que c'est Magali Habitat qui est dans le travail que vous avez fait? Nous, Magali Habitat, nous avons fait tout le monde. Bon, je pense que le travail que Magali Habitat fait, elle a fait un travail de citoyenneté, elle a fait un travail qui est normal. Le mairie de Port-au-Prince et applaudit le travail Magali Habitat. Je pense que depuis que est livré dans la région de Magali Habitat, parce que la fait dans la commune et la fait sous supervision magistrat Luxon Diallo. Comment est le garçon? Moi, c'est André Kirené, directeur. André Kirené, chef service de Port-au-Prince. Merci. Merci la presse. On va manger.